à la restructuration et à la relance du parti sont pratiquement bouclés. Et vous vous souviendrez que les missions avaient jalonné bien avant les communales l'ensemble du territoire national et toutes les structures ici représentées ont participé à un débat démocratique et de manière contradictoire sur le règlement intérieur, sur les statuts du RPG arc-en-ciel. Vous avez fait des amendements, vous avez fait des critiques, vous avez fait des suggestions. Et nous avons mis un comité de rédaction en place. Le comité de rédaction est en train de finaliser cette œuvre gigantesque et salutaire. Et soyez rassurés que vos préoccupations seront contenues dans le document final. Et on fera en sorte que dans les semaines à suivre, les moyens soient mobilisés pour que de la base au sommet, on procède au renouvellement des organismes du parti. Et l'appel que je vais lancer au nom du bureau politique, c'est d'ouvrir le parti à tout le monde. Il ne faut pas que certains s'approchent à des postes de responsabilité, parce que ça ne répond pas aux règles du parti. Mais sachez également que le parti n'est pas un parti ingrat. Le parti a de la place pour tout le monde. Et d'après les structures, les nouvelles structures du parti, chacun aura sa place et chacun pourra jouer son rôle dans le parti. Il n'y aura pas d'exclusive. Et le parti saura être aussi reconnaissant vis-à-vis de ceux qui ont passé leur temps à contribuer de manière significative et honorable et surtout élogieuse à sa grandeur et à sa gloire. Ceux qui se sont battus corps et âme et ont tout perdu pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. À ces gens également, nous leur prouverons que nous leur sommes reconnaissants et le parti ne faillira pas vis-à-vis de ses devoirs envers eux. Et d'ailleurs, rassurez-vous que les critères qui sont les critères d'engagement, qui sont les critères de loyauté, les critères de disponibilité, mais aussi des critères de probité morale seront strictement observés pour éviter que des personnes voulant se servir du parti au détriment des militants ne soient pas à des postes de responsabilité. On y veillera spécialement et nous pensons que vous aussi, vous ne manquerez pas de refuser leur élection parce que vous ne voulez pas de membres dans les instances du parti. Et vous l'avez dit, et on l'a su lors des communales, tous ceux qui se sont entêtés, malgré les directives du parti, pour choisir les meilleurs candidats qui pouvaient nous faire gagner toutes les communes du pays alors qu'on avait les possibilités, ils se sont entêtés, ils nous ont créé des problèmes, alors ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Et on va être intransigeant, on va être vigilant. J'ai beaucoup de choses à dire dans le cadre de la relance du parti, mais étant donné que les gens de l'interprétation me regardent et ils risquent de se perdre, je serai amené à m'arrêter ici et pour vous dire aussi que nous sommes ensemble et que la lutte continue.